Bonjour et bienvenue à tous pour cette deuxième vidéo de notre série consacrée aux SDACR. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte de notre territoire avec ses particularités, tout en gardant un œil sur les risques présents. Débutons ce tour d'horizon avec une rapide présentation du département de l'Ardèche. Il se situe au sud de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec une population s'élevant à près de 330 000 habitants. L'Ardèche est limitrophe sur sa plus grande longueur avec le département de la Drôme et constitue un axe majeur entre Lyon et Marseille, ce qui génère un important flux de passagers et de marchandises par différents types de transports, que ce soit routier, fluvial, ferroviaire et même par pipeline. Le risque industriel est accentué par le risque nucléaire avec la présence sur le département d'une centrale, mais également par la proximité d'autres installations dans les départements voisins. Le dynamisme industriel de la vallée du Rhône contraste avec le dynamisme du tourisme vert présent à l'intérieur de nos vallées. Le charme ardéchois attire de nombreux touristes avec une saisonnalité marquée. Chaque année, la population est multipliée par deux. Le tourisme a longtemps été concentré dans le sud de l'Ardèche, avec la renommée européenne de ses gorges et maintenant mondiale avec la découverte de la grotte Chauvet. Mais depuis quelques années, il s'étend à tout le territoire, avec l'augmentation de la fréquentation de sites comme le Mont Gervais de Jonc, le train touristique du Mastrou et la vallée du Doubs. L'Ardèche occupe le rang de premier département le plus boisé de la région Auvergne-Rhône-Alpes et le sixième de la métropole, avec une couverture forestière atteignant 60% de son territoire. Voilà, au travers de cette présentation de notre beau département, vous l'aurez compris, les sapeurs-pompiers doivent faire face à des risques très diversifiés, marqués par une très forte saisonnalité. Le premier travail de l'équipe SDACR va être d'identifier l'ensemble de ces risques, de les classer en deux catégories, qui sont les risques courants et les risques complexes. Ces thèmes-là seront abordés lors de nos prochains épisodes. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très prochainement.